Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au stade du Rondourou pour suivre ce match entre le Paris Saint-Germain et l'en avant Guingamp. Ça va être une première dans les épisodes de la Larigue qui sont de retour puisque je vais vous proposer un multiplex à suivre avec les rencontres du FC Nantes et du Havre. Donc le Havre qui va évoluer ici dans son superbe stade Océane face à l'équipe du Real de Madrid qui reste sur une élimination totale lors de l'épisode 8 face à la Hongrie, 4 buts à 0 et qui aura fort à faire face à cette équipe du Havre, cette équipe du Havre qui est composée de grands joueurs comme Ikoko ou Manzala qui est ici en action. Et bien évidemment au stade, le fameux stade de la Beaujoire avec le FC Nantes ici en action, également face au Real de Madrid hein, parce qu'ils ont eu double rage hein, avec le dernier épisode qui a vraiment irrité les fans du Real de Madrid. Et le FC Nantes, tout le monde le connaît, c'est cette équipe des Canaries avec le jeu collectif bien où il est. Donc on s'attend à voir des beaux gestes, des gestes de classe internationale du côté du FC Nantes avec Veretout. On voit directement la maîtrise hein, face au pressing incessant du Real de Madrid avec Bangoura. Et Bangoura hein, qui est vraiment l'une des stars de cette équipe du FC Nantes. Alors que, oh là 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 là, déjà on m'annonce un premier but du côté du stade du Rondourou. Donc on va aller voir ce qui vient de se passer avec ici, oh la percée de Mandane. La percée de Mandane face à Thiago Silva. Mandane, et oui c'est déjà le premier but. Oh là là là, le premier but du côté de l'en avant Guingamp. On me fait signe encore également que c'est déjà en fait la troisième occasion franche. Donc l'en avant Guingamp qui a vraiment décidé d'aller bah, justement de l'avant bah, face à cette équipe du Paris Saint-Germain. Et qui va s'appuyer sur ses joueurs hein, comme Pied avec Marvaux qui est passé, Mandane. Paris Saint-Germain qui a du mal à se relancer avec une bonne agressivité ici encore une fois Marvaux. Oh là 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 là, Marvaux la roulette, oh la deuxième roulette peut-être, oh là là, heureusement. Ça a été contré au dernier moment du côté du Paris Saint-Germain. On a eu chaud aux fesses avec l'en avant Guingamp qui, oh là là, encore une fois, le jeu bien huilé avec les passes. Alors que, ah mais décidément ça n'arrête plus, il vient de se passer quelque chose du côté du Havre avec le Real de Madrid, avec apparemment l'ouverture du score du Real de Madrid alors qu'il y a eu un attentat qui n'a pas été sifflé avec Cristiano Ronaldo et Modric, et oui c'est le but dégueulasse de Cristiano Ronaldo, celui qu'on prend tous lorsqu'on joue face au Real de Madrid. Real de Madrid 1, le Havre 0, on va retourner du côté du FC Nantes pour voir un petit peu ce qui se passe. Pour le moment toujours 0-0 et on m'annonce une possession à 80% du côté du FC Nantes avec le Real de Madrid qui commence un peu à péter un câble, hein, à courir après le ballon. On voit avec ici long ballon pour Bangoura et Casillas avec Sergio Ramos, Marcelo. Alors que, oh, et oui! Et oui, c'est l'égalisation. Évidemment, l'égalisation, la réaction du Havre face au Real de Madrid avec ce but d'Mbami. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il vient de foutre à Pépé en termes de crochet? Ah bah oui, on va voir évidemment les Stadiers intervenir pour ramasser le rein de Pépé sur cette action avec un crochet bien placé. Et c'est l'égalisation donc ici au stade Océane du Havre. Real de Madrid 1 et le Havre 1 partout. Alors que le Real de Madrid va essayer justement de repartir, d'accélérer. Mais on ne passe pas. Regardez encore Ikoko. Ikoko, oh là là, Ikoko la force tranquille. On va retourner du côté du coup du stade du Rondourou avec Marvaux. Marvaux, oh il a mis dans le vent David Luiz. Marvaux peut-être pour le 2-0. Et Marvaux, et la parade de Sirigu, c'est énorme. Énorme parade de Sirigu qui sauve cette équipe du Paris Saint-Germain. Alors que on voit encore une fois l'en avant Guingamp, domination totale avec ici, oh le bon ballon pour Mandane, la reprise de volée et c'est le deuxième but, 2-0 pour l'en avant Guingamp. Le Paris Saint-Germain en difficulté, les milliards du Qatar ne vont pas apparemment suffire alors que, eh oui, un attentat à la Beaujoire. Oh là 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 là, c'est un attentat et regardez-moi ça, le tacle de Toni Kroos, l'attentat. C'est ce qu'on vient de m'annoncer, et oui, le carton rouge, c'est le moment de la Larigue. C'est le moment que tout le monde attend dans les épisodes de la Larigue. On commence déjà à craquer du côté du Real de Madrid, à courir après la balle au bout de 23 minutes de jeu, et toujours pas le moindre tir pour cette équipe du Real de Madrid, alors que le FC Nantes déroule. Et on assiste apparemment à une véritable démonstration des Canaries. Alors que le Real de Madrid court encore et encore après le ballon. On essaie de construire, mais on tombe sur le mur jaune avec ici Aladur qui joue justement
Bon, je vais vous la faire, hein, la blague de merde. Elle a dure, alors que là, oh là 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 là, l'anus au maître qui descend. Avec la connexion qui vient de bugger, une roulette qui était passée. Avec Bedoya. Bedoya qui essaie de récupérer la balle. Et Real de Madrid qui va essayer de conserver. Mais non, on récupère tout de suite. Hein, c'est le jeu à la nantaise pour les supporters du FC Nantes. Alors que, ah là là, deuxième but du côté du Havre. Le but dégueulasse du Real de Madrid. Le typique de l'entriangle avec le gardien qui s'est totalement foiré. Et Benzema qui vient inscrire le deuxième but du Real de Madrid. Le Havre en difficulté. On va retourner du coup du stade, du côté du stade du Rondourou avec l'en avant gagnant qui continue de se balader. Regardez-moi ça. Oh là là, le geste technique de pied avec Salibur qui est passé. Salibur qui s'amuse, qui donne le tournis à la défense du PSG avec peut-être le centre, peut-être la tête. Oh là 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 là, on n'est pas passé loin du troisième but pour l'en avant gagnant. Alors que le Paris Saint-Germain est en train d'étouffer sur le banc. On voit Laurent Blanc qui commence un petit peu à perdre patience, alors qu'en face justement on est solide défensivement avec le bloc ici de Diallo. Évidemment Sorbon au marquage d'Ibrahimovic, c'est évident. Sorbon, un des grands défenseurs de la Ligue 1 que tout le monde connaît évidemment, avec ici Angoula qui va temporiser, et Angoula qui passe tranquille, la force tranquille d'Angoula. Oh, le geste technique face à David Luiz qui joue comme Flore face du match Brésil-Allemagne. Il est monté devant, il n'y a plus personne derrière, du coup attention à pied. Pied qui va passer, pied qui va déborder, pied qui peut s'ouvrir le... Oh là 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 là, oh non, oh là là, l'ouverture, vraiment celui-là. Le plat du pied, il a ouvert son pied, ça fait 3-0 pour l'en avant Guingamp. Déjà au bout de 36 minutes de jeu avec une superbe action, une remontée de terrain qui est partie d'Angoula et qui est arrivée dans les pieds de pied justement. Alors que, ah, on m'annonce l'égalisation. Et oui, l'égalisation du côté du Havre ici avec Saïs. Et apparemment c'est un but totalement dégueulasse avec... Oh là 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 là, mais quelle honte. Quelle honte de se prendre un but de la sorte. C'est vraiment le joueur typique du Real de Madrid qui reste appuyé sur la touche X. Et qui a pressé comme un con. Et à force de trop presser, ben, il a pressé contre ses buts. Donc forcément, le CSC et le Havre qui revient dans ce match avec Malfleury, Mendes. Et on m'annonce encore une fois, ah, cette fois-ci c'est ouverture du score. Du côté de la Beaujoire, le FC Nantes qui vient d'ouvrir le score avec ici l'action de Bedoya qui a vu Bangoura. Quelle mauvaise défense du Real de Madrid avec Bangoura qui se présente une fois. Et c'est repoussé, mais c'est sans compter sur la patate de Bedoya. Et ici, voilà, l'ouverture du score du FC Nantes 1, Real Madrid 0. Les Canaries qui prennent l'avantage, un avantage mérité et justifié au vu de la possession du ballon. Alors que le Real Madrid souffre, on a du mal à passer ce mur jaune encore une fois. Avec ici à la dure qui a laissé filer le ballon dans son dos. Avec Marcelo, alors qu'on va approcher de la mi-temps, on va certainement se quitter sur cette première période avec le score d'un but à zéro pour l'FC Nantes. Et voilà, c'est fait, l'arbitre qui a sifflé la mi-temps ici à la Beaujoire. Un but à zéro pour l'FC Nantes face au Real de Madrid. Et du côté du stade Océane avec le Havre, le Havre qui pousse apparemment, qui domine cette fin de première période. Et c'est pareil, l'arbitre qui va envoyer les deux équipes cette fois-ci sur un score de match nul, deux buts partout. On va retourner au stade du Rondourou, là il y a 3-0. Déjà les carottes sont déjà cuites. Alors que là, oh là 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 là. Oh non, j'ai mis pied. Oh, c'est pas possible. Oh, le quatrième but. Ça commence à devenir gênant pour les joueurs du Paris Saint-Germain. Qui vont rentrer au vestiaire très probablement avec cet handicap de 4 buts au repos. Alors que, oh là là, Marvo qui s'emmène son ballon. Marvo, oh s'il vous plaît, il passe. Heureusement que l'arbitre siffle à la mi-temps. Parce que derrière Marvo. Elle est décochée, la frappe. On va se retrouver tout de suite pour la seconde période. Et c'est déjà le coup d'envoi de la seconde période au stade Océane avec le Havre qui est donc tenu en échec par le Real de Madrid. Deux buts partout. On a vu une équipe du Havre conquérante, hein, mais qui a manqué de réussite sur les buts encaissés. Alors que du côté de l'en avant Guingamp, eh ben, c'est tout simplement l'humiliation déjà totale à la mi-temps. Hein, 4 buts à 0 hein, du côté. Évidemment du stade du Rondourou avec des supporters en folie, ça se passe plutôt bien du côté de l'en avant Guingamp, alors que du côté du FC Nantes la balade continue. On rappelle évidemment que
Toni Kroos hein, a littéralement pété les plombs en première période avec un tacle assassin, un tacle dégueulasse qui a valu justement un carton rouge. Le grand moment tant attendu à chaque fois dans les épisodes de la Larit, le moment où justement l'adversaire perd ses moyens et commence tout simplement à perdre la boule, à craquer, à rager comme on dit. Dans le jargon des gamers, le rage quit, l'objectif ultime de la Larit à chaque fois, alors qu'ici on voit Bedoya, le FC Nantes qui met en place son jeu avec Bangoura, le relais derrière. On va rester ainsi du côté de la Beaujoire, on a envie de voir du beau jeu, donc on va rester du côté de la Beaujoire avec le FC Nantes qui défend bien ma foi ici avec les tentatives de pénétration côté droit avec... oh là là, le geste technique de Bangoura qui s'emmène son ballon avec Gakpé vers trou. Oh là là là, oh non, un but qui va foutre la chiasse, ça c'est à tous les coups avec Gakpé. Oh là 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 là, la lucarne. Le but énorme du FC Nantes qui mène 2-0 ici, dans le stade de la Beaujoire. Et effectivement, on le sentait venir ce but. On sentait venir le but qui fait très très mal. Hein. On avait vu déjà rien qu'avec le geste technique de Bangoura, alors que oh là là, on s'amuse encore une fois du côté du FC Nantes. Évidemment, c'est la cour de récréation hein, pour les joueurs, les Canaries, comme on les appelle. Alors qu'ici, le relais est déjà. Oh là là, 3-0. Ça commence à devenir salé du côté de la Beaujoire. Le FC Nantes qui mène 3-0 face au Real de Madrid. On va aller du côté plutôt du stade Océane hein, pour laisser les supporters hein, du Real de Madrid. Ah bah merde, ça marche pas, ils pourront pas être tranquilles ici aussi, du coup c'est les supporters du Real de Madrid. Bah, justement, bah, ça va être quand même un match apparemment un peu plus gérable pour les joueurs du Real de Madrid de jouer contre le Havre. Mais on va évidemment aussi suivre ce qui se passe du côté du stade de Rondourou. Toujours 4-0 à l'heure de jeu. Pour le moment, hein, les Guingampais qui se baladent, on voit ici encore une fois, pied, le relais, c'est bien joué avec Diallo. Diallo peut-être, il est repris in extremis derrière. Heureusement que Thiago Silva veille avec David Luiz. Et tentative pour lancer Zlatan Ibrahimovic dans la profondeur. Et il est vraiment bien stoppé derrière par la défense guingampaise. On repart avec pied, le relais avec Marvo. C'est plutôt bien joué, on perd malheureusement la balle. On se dégage comme on peut du côté du Paris Saint-Germain. Oh, la tentative de tacle assassin. Attention, le relais, ça joue plutôt bien. Sans carré, Mandane. Mandane face à Sirigu. Et c'est déjà le cinquième but du côté de l'en avant. Guingamp, 5-0. On va arrêter la diffusion hein, du côté du stade du Rondourou. On n'a pas envie d'avoir des problèmes avec le CSA. On va faire comme si c'est rien passé. On va faire comme si ce cinquième but n'a pas existé. On va essayer de suivre plutôt la fin de match ici qui s'annonce palpitante entre le Havre et le Real de Madrid. Toujours 2-2 avec un Real de Madrid qui pousse. Et à l'image aussi également, on voit bien le Havre qui se présente face à Casillas. Ça ne passe pas à la grosse pression et on joue une minute d'arrêt de jeu. Attention au contre dégueulasse. Et ça revient dans les pieds d'Mbami. Mbami, le relais, oui, c'est bien joué avec le Bayon. La part de Casia, c'est Mendes qui se jette et c'est le but de la victoire pour le Havre. C'est énorme, le troisième but de Mendes qui permet au Havre de s'imposer face au Real de Madrid. Le Havre, 3, le Real de Madrid, 2. Alors qu'on annonce du côté du FC Nantes, c'est fini, 3-0. Et du côté de l'en avant Guingamp, on ne donnera pas le score hein, pour ne pas avoir de problème avec le CSA. Alors que là, le Havre s'impose 3-2. Voilà, ce sera tout pour ce retour de la Larit, ce 8e épisode de la Larit, ce multiplex exclusif avec les équipes qui vont bah, justement faire les prochains épisodes, l'en avant Guingamp, le Havre, le FC Nantes, avec si peu ici de Mandane. À très bientôt.